Heureux les amis, c'est Pixel, ça y est, nous y sommes pour l'épisode final de Luigi's Mansion. Nous commençons. Nous allons pouvoir aller combattre Roi Boo qui est juste ici. Tout d'abord, je vais aller chercher ceci, qui est les derniers sous du manoir. Enfin, quand je dis les derniers, c'est avant qu'on commence à le battre. Allez, c'est parti. Nous y sommes enfin. J'ai hâte. Je pourrais regarder Mario en peinture pendant des heures. C'est vrai ce qu'on dit de l'art, il faut une sensibilité exacerbée, d'accord, pour pleinement l'apprécier. Te voir réclamer de l'aide, cher Mario, est tellement agréable. Ça me repose. Tu m'as causé tellement de soucis à une certaine époque. Non mais franchement, qui pourrait croire qu'on fait gagner des manoirs dans des concours? Faut vraiment être stupide. Vous avez tous le même défaut dans la famille. Vous êtes si naïfs. Ton frère a fait tout ce chemin juste pour être changé en tableau. C'est trop fort. Cependant, il a la même tête que dans le 2. C'est qui est bien. Ce tableau de Mario semble bien seul. Il me faudrait un tableau de Luigi pour compléter ma collection. Je ne te crains pas, crétin. Je ne crains que l'Ectoblast 3000 que tu portes sur le dos, machine stupide. Mais je suis le roi des boues et je n'abaisserai pas devant un appareil électroménager. Je dois dire que je me mépris, la façon dont tu as aspiré mes amis. Ne crois pas que je vais fuir, je vais me battre comme un boue. Rejoins donc ton frère dans le tableau. Ça y est, il est en colère. Et comme on avait dit, Bowser est vivant. Oui. Mais plutôt dans l'au-delà. Son esprit est dans l'au-delà. Et là, il nous aspire. C'est ça qu'il faut comprendre. Attention! On est dans le tableau. Et là, ça va être plus compliqué. Arc. De toute façon, si de toute façon, je vais échouer, je vais recommencer la vidéo totalement. Totalement. Sauf si j'y arrive. Mais bon. Je ne sais pas ce que ça va donner la fin. J'ai tout comme un porc. Mais déjà quand même à 2 minutes, on devrait censé se battre à ce temps-là. Mais bon, vous connaissez les cinématiques de... J'aimerais qu'on en finisse vite. C'est parti. On va voir ce que ça va donner maintenant. J'ai cru qu'il allait m'aspirer la gueule. La première. Voilà pourquoi je n'aime pas les boules. Tu ferais mieux plutôt de te retourner. What? Non, j'hallucine. Il m'a aspiré direct. Et je n'ai même pas eu le droit à une bombe. Par contre, j'aurais besoin un peu de vie, ce serait génial plutôt. Ça me protège à mort. Ça fait mal ça. Allez, faites qu'on m'aspire ce fils de chien. Et là, faut qu'on bouge sans arrêt. Ouh, on l'a fait mal quand même. On lui a fait mal. On lui a quand même mis de sacrés niveaux. Là, il a perdu bien ses PV. Alors, on va voir si t'es si balèze que ça. Allez, vas-y. Allez. Allez, bim. Putain, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Maintenant, ça va être compliqué, là. Oh, merde. L'enflure. Il a profité. Mais quoi? Que j'ai moins de face... Ouais, j'aime pas quand il fait ça. S'il y a de la vie dans les pots, ça me ferait plaisir. Ah oui, il y a de la vie. Oh putain, en plus j'aime pas quand il y a des cinématiques où... Ah, vite de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie.
De là, non. Putain. Aïe, 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 aïe. Allez, vas-y. Là, ça lui a pas plu, mais à mort. Il doit halluciner, Bou. Ouais, il est dans le champ. Ah, merde alors. Ah, merde. Oh, putain. Mais j'aime pas ça. Putain, j'ai cru qu'il allait carrément... Oh là 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 là, ça fait peur. Hein. Je vous avoue que je suis pas très rassuré. 5 PV, les amis. 5 PV. Allez. Et quand même, il faut l'avoir pour quelques PV. Et voilà. Pouah. On a eu son joyau. Voilà, bim. Oh, ça va, hein. Du premier coup, il nous restait 5 PV. Oh, putain. Ah, ils ont changé l'angle de caméra. C'est-à-dire que maintenant, on ne verra plus la manque de texture du manoir. Comme ils ont fait dans la GameCube. C'est un peu dommage, mais bon. Oh, j'ai essayé de roter BD. Oh, pas possible. Luigi, tu as réussi. Vraiment remarquable, fiston. Je t'ai peut-être fourni ce super Vectoblast 3000, mais c'est toi qui as tout fait. Je suis tellement fier de toi. Alors, reprends-toi, Tastrophe. Ah, tu as trouvé leur Wabou? Tu dis qu'il a plongé dans un tableau de Bowser? Il t'a même craché du feu? C'est la première fois que j'entends une histoire aussi incroyable. Et pourtant, j'ai 60 ans de métier, mine de rien. Je me rappelle encore que je tremblais à la simple pensée d'un fantôme. J'étais jeune. Je pouvais rester enfermé à étudier tel ou tel fantôme pendant des semaines. Oh, pardon, je me perds. Dans mes souvenirs. Bref. Récupère le tableau de ton frère et ramène-le au labo. Et le pauvre petit gars s'est endormi. Il a dû s'effondrer de fatigue et de soulagement en te voyant arriver. Je vais figurer la machine pour qu'elle ramène ton frère. Je vous attends tous les deux. Ah bah, tu m'étonnes. Le soulagement. Enfermé dans un tableau, je pourrais pas. Ça me... C'est un peu comme le jeu Bloody Mary, quand tu perds, bah en fait t'es de l'autre côté du miroir. Et tu vois carrément ta salle de bain de l'autre côté. Ça fait peur. Hein. Ça fait très peur. Moi je suis comme ça, vas-y s'il te plaît, autant crever. Hein. Je préfère crever. Tu vas en attraper une migraine. Toute cette aventure n'aura duré qu'une nuit. Bravo Luigi. Le manoir conduit par ses bouts a disparu cette nuit. Mais le trésor semble bien réel. Il ne m'intéresse pas, tu peux le garder et en faire ce que bon te semble. Quoi ? Assez parlé d'argent, tu as raison. Occupons-nous donc de trouver ton frère plutôt. La priorité est bien sûr de sauver ton frère. Mais nous devons d'abord éliminer ces fantômes. Exactement. Exactement. Donc là, c'est les derniers fantômes. Hein. Je vous laisse admirer ça. Donc là, il y a carrément la tête de Bowser. Donc au final, on sait que Bowser était dans le dollar. Bon, maintenant, il est en compagnie de Roi Boum. Allons admirer ça en attendant. Allez. Les fantômes sont invisibles. Nous devons donc les presser pour les rendre visibles. Et ouais. Donc, bronze, ouais. J'aurais aimé mieux. Argent, pas mal. C'est vrai qu'il était compliqué celui-là. Et bronze, c'est vrai qu'il était compliqué celui-là. Argent, ouais. C'est vrai que je l'ai eu que deux fois. Et or, ah magnifique, j'ai eu du premier coup, c'est vrai. Et argent, c'est qui? Ouais, je confirme que argent pour une fois. Et en argent, ouais, c'est vrai. Je parie des euros contre des gâteaux que personne n'a d'aussi joli tableau que moi. Je confirme. Bon, or, argent. Bronze, argent et bronze. C'est dommage, j'aurais aimé en or. Je l'ai eu une fois en or celui-là en plus. Mais bon, c'est quand tu n'esquives pas les trucs que c'est chiant. Alors, voyons voir. Score dans cette zone, 38 millions. Voyons voir le total en tout. Ouais. Oh. Eh bah dis donc.
un total de 85 635 000. C'est pas mal, hein, c'est beaucoup, hein. C'est énorme. Putain. C'est parti. Le pauvre Mario, il doit souffrir à mort, mon gars. Et là, ça va être lent. Le pauvre, il doit souffrir à l'intérieur. Putain. Et bam. Direct dans la calande, tu vois. La calande, elle va... Le pauvre. Comment il fait pour traverser quand même un tuyau? Ça fait mal un tuyau. Mais oui, c'est vrai, il traverse des pipelines. C'est ça, les frères Mario. Oh, le pauvre. Et voilà. Et là, il en pleure tellement que... Il en pleure parce qu'il est content de retrouver son frère. Et il rigole parce que c'est... Voilà comment il a réapparu. Il pleure de joie, quoi. Puis de rire aussi. Nickel, ça. Explique à Rex que vous devez travailler le cross-guerre. Bon. Bah, bam, 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 bam. Cool. Par contre, on ne peut pas passer. Donc, au moins, si cet épisode... Bah, alors là, c'était l'épisode final. On a passé de super bons moments, je trouve. Ouais. Bon, c'est vrai que au début du Let's Play, je m'appelais encore Kyuran Noir. Et du coup, bah... Ça fait un gros changement, en fait... J'aimerais bien regarder mon let's play, mais le souci c'est que je m'appelais encore QRM et ça fait bizarre en fait. Ça, je me disais, j'étais le nom était si immature à mon âge alors que je vais avoir 19 ans. Enfin, j'ai 19 et l'année prochaine j'aurai 20 ans, donc 20 ans autant s'appeler Pixels. Je trouve ça plus classe. En plus, je suis fan de rétro alors donc c'est déjà ça. Maintenant, ce que j'attends, en fait, c'est que le générique passe, enfin, la fin du truc passe, et qu'on voie le score ensemble et la taille de la baraque. J'ai envie de vous montrer ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? En espérant que ce soit pas si long. Mais c'était génial, hein. C'était génial. Franchement, en plus, c'est bien, à la fin, t'as un score, donc c'est plutôt classe. Tu les entends, en plus. Je crois qu'on est pas loin. Ah, ça y est. Ah bah non. Putain. J'arrive pas à passer. Ça va, on a pas mis beaucoup de temps à vaincre le boss. Du coup, bah au final, je pensais qu'on allait devoir recommencer la vidéo. Mais non, tout, pas du tout. Pas du tout. On a pu s'en sortir. C'est cool. Au moins, on a pu le finir. En fait, mon objectif, c'était de le finir avant que mes 3 ans sur ma chaîne arrivent. Et c'est plutôt classe. Au moins, ça fait 2 let's play sur ma chaîne. Et l'année dernière, il y a eu... Même voir un peu plus avant. Je sais même pas en quelle année. J'irai voir la prochaine fois. Je crois que c'est soit l'année dernière ou l'année dernière, c'est-à-dire 2 ans après, que j'avais fait le let's play de Mario... Et Luigi, et en fait je l'avais fini en une année, pratiquement. Et lui, bah je l'ai pratiquement fini en une année aussi. Voyons voir le score, c'est parti. La question des fantômes était réglée. Le pauvre Catastrophe était si content de retrouver tous ses tableaux qu'il utilisa le trésor de Luigi pour lui construire une nouvelle maison. Allez, faites que ce soit une belle maison. Et... Bah elle est pas mal. Bienvenue dans le nouveau manoir de Luigi, grade B. Mais c'est pas mal. Un grade B. Ouais, y en a, ils ont fait mieux, mais un grade B, c'est bien. Bah, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ah, c'est nickel. Ah, je suis content. Avec 85 635 000 fric. On va dire du fric. Ah, c'est cool. C'est cool. On va aller pouvoir admirer les tableaux à la galerie si vous voulez. Y a pas de souci. Ah, tiens, regarde. Avant ça. Est-ce que tu as réussi à faire ce que je t'ai demandé, Luigi? Voyons ça. Vous voyez pas ce qu'il y a derrière? Ce sera notre prochain let's play. Okay. Luigi's Mansion 2. Pendant ce temps-là, quand Professeur Catastrophe nous avait appelé, on nous restait 2-3 bouts de la lune noire et on était en plein mission. Verrez le futur.
Vous allez voir, ce sera le futur. Tu es allé explorer le manoir tout seul cette fois-ci, Luigi. Si tu en as l'occasion, j'aimerais aussi que tu y ailles en compagnie de Luigi. Je vais laisser Luigi dans le labo juste là. N'hésite pas à faire appel à lui dès que tu auras besoin. T'inquiète pas. J'ai hâte de voir ta prochaine expédition la prochaine, Luigi. En attendant, on va aller à la galerie. Sauvegarder, bien évidemment. Mais après, de toute façon, c'est le let's play. Hein. Au final, il va pas être gardé. On va pouvoir aller à la galerie, si vous voulez. Aller faire quelques visites. À la visite de la galerie, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Où vas-tu, Luigi ? Galerie. Attention, le manoir caché est plus compliqué. Hein. Il est hardcore. Et je le ferai pas. C'était le let's play que je voulais. Bon, bah regardez tous ces magnifiques tableaux. Lui, je l'ai eu en or. Il était simple comme bonjour. Et ce qui est bien, en fait, c'est que vous pouvez regarder les grades. Par exemple, bronze, il est dégueulasse. Argent, il est pas mal. Fait un peu à la peinture. Et là, il est magnifique. Ah, c'est cool. Franchement, et là, on peut voir tous les fantômes. Et le grade de ta baraque. Et tous les bouts. Les bouts. Picabou. Un peu comme Pikachu. Il y a eu aussi la Gembou. Il est où, Gembou? Il est là, mon Gembou. Trouvé dans le pièce de stockage. Appelle-moi Gembou. Alors qu'il fait référence à la Game Boy. Le grade du bâtiment. Alors, il y en a toutes sortes. Hein. Le rang H. Il y en a toutes sortes. Valeur de 20 000, 40 000, 50 000, 60 millions, 70 millions, 100 millions. Et valeur S, on sait pas. D'accord. Et là, on a tous les fantômes. Terreur dorée, terreur furieuse, esprit généreux. Esprit généreux, c'est le bleu. Un fantôme bleu clair qui déguerpit au moindre danger. Donc, c'est cool. Et on a récupéré tous les fantômes qu'on connaissait. Et ce qui me cassait les pieds, le fantôme qui me cassait les pieds le plus, il est où? Je crois que c'est un... Ouais, je crois que c'est le serveur qui m'a plus cassé les pieds. Un fantôme de la salle à manger. Il a les mains pleines et ne peut donc pas vous attraper. C'est ça qui est bien. Oula, fais attention. Donc voilà, hein. Puis on va admirer le tableau de Roibou, sachant qu'il est mauvais. C'est ça qui me fait chier. Mais je crois qu'on peut le refaire, le boss. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on peut le refaire. Si jamais on pourrait... Double preuve ne sert à rien, trophée. Ah, oh, bon, là, c'est là, dommage c'est... qu'il soit une gueule aussi dégueulasse. Non, je veux bien qu'il analyse, mais bon. Mais quand même, affublié d'une couronne, ce bout géant s'échine sur des plans diaboliques, implique les autres bouts. C'est dommage. Je l'aimais bien. Et là, il n'y a rien là-dedans. Non, rien du tout. Donc voilà. Donc les amis, ça va être la fin de ce let's play. J'espère qu'il vous a plu, les amis. En tout cas, moi, oui. Il m'a fait super plaisir. Et que ça a été une beauté divine, qu'il était super ce let's play. On a eu de bons moments ensemble. C'est vrai qu'on a eu des moments réglés, des moments rigolos, des moments pas très agréables parce que voilà, c'était chiant à les avoir. Mais sachant que c'était super que nous avons fait ce let's play ensemble. Et ça me fait super plaisir, que j'espère qu'au moins il a été superbe le let's play. Et moi, ça m'a fait super plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes pour le dernier, cet épisode, celui-là. Abonnez-vous, ça me ferait super plaisir, franchement, abonnez-vous. Okay. Ça me ferait super plaisir, sachant que c'est le dernier épisode du Let's Play et que c'est mon deuxième Let's Play fini cette année. Et franchement, je suis super content. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir se revoir dans de prochaines vidéos. Et continuer peut-être d'autres let's play. Je pense que je vais continuer Resident Evil. Et au moins on va pouvoir continuer les séries. Donc je vous dis à la prochaine les amis. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Mario!